l'instant, on va dire mitigé, parce qu'on a eu, Julie Robert qui a malheureusement perdu son tableau en finale des championnats de France professionnels, Djamel Delal, mais bon, elle perd juste 2-1, donc on a proposé une revanche qui sera à Saint-Nazaire le 8 mai, donc ça promet beaucoup, c'est un combat très serré, et je pense que Julie était pas 100%. Voilà. Donc sinon on est passé à la Forge, tout à fait aussi, il a un beau combat contre le Belge Mehdi Slimani, un boxeur qui était invaincu, et donc il a fait un bon combat, il a remporté au point, il a remporté assez facilement au point, mais en faisant un combat très dur et qui est de bonne augure pour la préparation pour son championnat, pour sa demi-finale de la Coupe de la Ligue contre Machou, qui se déroulera le 27 mars à Saint-Nazaire. Come up. Yeah. We gotta turn the bass up on this one. Check it. Ensuite, il y a Ousmane Akdas qui est toujours en préparation pour son championnat de France. Là, on arrive à la fin de préparation. C'est pratiquement la dernière semaine de préparation. Il lui reste encore 10 jours. Il boxe en 10 jours, donc il reste encore une petite semaine de finition au niveau physique, au niveau tactique, technique. Il boxe contre Parodi qui est champion de France, je sais plus combien de fois, plusieurs fois, 3-4 fois, et qui est vraiment le roi des supercoques en France, même au niveau européen, il a la licenciature intercontinentale. Donc ce sera un combat très dur, mais Ousmane, hein, et là, quand Ousmane veut vraiment, il peut battre. Professionnel, au niveau côté amateur, on est toujours en course et ça c'est une grande fierté, une grande joie du club d'avoir toujours David Papeau qui est en finale de la France, qui équivaut, il rentre dans les quatre premiers français, donc c'est une bonne augure pour sa première année de senior, donc il est au moins là. Où on l'attendait, maintenant c'est que du plus, et c'est pour ça que David maintenant il a pu, c'est-à-dire que il boxe, il continue sa boxe et puis la victoire viendra s'il mérite, et je pense que ça peut encore continuer encore jusqu'à les jeunes aussi. Il y a le chemin de France cadet qui vont se dérouler dans 10 jours, ils vont dérouler la semaine prochaine, donc on a deux participants sûrs. José Bettencourt en moins de 115 kg et Dylan Thébault en moins de 52 kg. Et pour l'instant, le troisième, Joris Bougan, a été seulement classé remplaçant. Donc c'est-à-dire qu'il les fera s'il y a un blessé, s'il y a un forfait dans sa catégorie. Donc déjà, on a deux déjà du club qui vont chemin de France comme la saison dernière. En plus, on avait fini deuxième club de France. Cadet, grâce à José Bettencourt qui a été champion de France, et puis à Sylvain Lucas qui a été médaille de bronze. Donc là, j'espère faire la même chose, deux médailles avec ces deux boxeurs. Et puis je pars, cette compétition-là, je pars avec une équipe régionale. Et je pars donc en tant que responsable d'équipe technique régionale, je pars avec 8 boxeurs. 8 boxeurs du comité ont été sélectionnés pour le championnat de France cadet. Donc il y a deux boxeurs, donc du boxe nazarien, il y en a 3 boxeurs du club de Nantes, Nantes Atlantique. Il y a un boxeur de Laval, un boxeur de Loiron, et puis
d'avoir un boxeur de Nantes plat contact. Donc voilà, c'est une bonne délégation et on espère. J'avais oublié, excuse-moi Salah, je t'avais oublié parce que bah, Salah, il est, vous savez bien que Salah c'est pas un vrai Nazarien, il nous vient d'Alsace. Donc là, il est venu se préparer 15 jours. Il est venu se préparer 15 jours ici à Saint-Nazaire en croisant les gants avec Don, avec Stanislas Salmon de champion de France du Poker. Et en parlant de Salah, lui il boxe la semaine prochaine. Il boxe samedi aussi. Contre qui? Il boxe samedi contre Mourad Lagdar Ultra Arriva de Clichy.